Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine, et soyez le bienvenu sur, j'espère, cette dernière partie de Pokémon. Parce que vu comment ça devient dur, j'avoue que j'espère que je vais réussir à finir. Voici le chien. Le chien est avec nous, il y a une musique très jolie. Il y a Alice Adventures in Wonderland. Il y a toujours Maurice, hein, il y a toujours la. Puis c'est tout. Ah bah il y a toujours la poupée horrible aussi. Et j'étais un peu resté keblo sur ce dessin. Qui est quand même, il dessine bien. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Et donc là on a quoi? Cory Cross Kenshin. Ok. Le Jabberwocky. Invisidire. Ah oui, le... Ah, le... C'est quoi le féminin de cerf? La biche. La biche invisible. 8-bit game time. Razbowski. Oh yeah. Oh yeah. Bon allez, c'est parti. Ah, quoique, il y a un super dessin de chien là. Et il y a le vrai Invisidire. Et le requin, le requin. Ouais, j'avais déjà fouillé tout ça dans un autre épisode, c'est vrai. Mais je m'en souvenais plus. Disons que je me souvenais pas du dessin du Boogeyman. Je sais pas s'il était déjà. Il n'y avait pas le chien, ça c'est sûr. Le lien. Bon, attendez, il faut que je sois en mode ultra vénère là. Oh non, ultra vénère bullshit. Je sais pas si je vais beaucoup parler, hein, parce que. C'est que le vent va s'arrêter. Hein. Ah quoi quoi le ah le chien. C'est vénère bullshit. Non. Pas parce que je dis bullshit que tu dois me faire du bullshit. Des timings où je cherchais sa langue, mais le problème c'est que c'est tellement aléatoire finalement. Quoi, 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 où ça? Non, mais bordel! Ouais, oui, non, mais c'est pas trop pour ça que je me suis fait avoir. Merci du conseil, mais c'est pas trop d'actualité. Hein. Où ça, où ça, où ça? Méchant bogeyman! Gentil chien, méchant bogeyman! Part un peu en couille dans le rideau, le bogeyman. C'est pas grave, on lui en veut pas trop. Où ça, où ça? Ah! What the fuck? Mais c'est quoi cette Game Boy? Ah, le chien! What the fuck la Game Boy? Ça fait pas ce bruit là les Game Boy, hein. Je suis désolé. Ah merde! C'est ce que j'étais en train de me dire, est-ce que je l'ai pas vu du coin de l'œil en passant la tête là? Bon! C'est compliqué, hein.
Totalement déstabilisé, je sais pas quand aller faire ma lampe, monter mes piles quoi. Oh non, non, pas la gueule. La gueule. Double, mais... Oh non. En fait, ça me fait plus peur de le voir arriver que le jumpscare lui-même. C'est compliqué, c'est difficile. Chaud patate. Non. C'est quoi ce bruit là de serpent Ah, mon serpent en plastique bouge, d'accord, oui, d'accord, non, mais tout va bien. Il y a un serpent dans ma chambre. Tout va bien. Tout va bien. Non. Oh putain, comment on voit en reflet. Bon, les voilà, les fameuses illusions, je suppose, enfin. Serpent, quoi. Où ça, où ça? Où ça, Nelson? Putain, on n'entend pas arriver par là, c'est horrible. Je regarde par là, en fait, on veut être problème. Mais j'ai peur. J'ai envie de regarder. Fuck you, non. Allez, clash. Ah, oh, bordel. On est bien lancé, on est bien lancé. Oh putain, ma lampe est en train de fondre par contre. Ah, mes piles. Thank you.
Non. En mode serious shift business, hein, les gens. Il faut, hein. Non, on survit pas. Putain, le Game Boy de merde! T'arrives en retard ou quoi? Putain, mais là il me fait des 1 et tout va bien, mais il faisait jamais ça avant. Et d'où la lumière? Mais d'où? D'où, tricheur? Eh, fuck, je suis tellement baisé. C'est tellement la merde. Tellement la merde que c'est pas permis. Je pense que je suis mort. Hein? Foiré! Ça! C'était là, salopard, là, sors de là! Je préfère une autre musique. Non, mais pardon. Arrêtez avec vos bruits là. Non, mais le corbeau, qu'est-ce que je dois faire? Corbeau me fait perdre mes moyens. Bon, tant qu'il n'y a pas le corbeau, il n'y a peut-être pas de boogeyman, hein, c'est peut-être... Ah, le serpent, non, non, le serpent. Putain.
C'était très risqué ce que j'ai fait, mais... Il est partout! Barre-toi, bordel! Oh mais mon dieu! Stop! Non, putain, le pavé. Non, 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 non. Ah, on était tellement proches. On était tellement proches. Ah, le callback. Le jumpscare callback. Ici c'est compliqué. Putain de con! Dis, ça fait plus flipper de le voir arriver que le jumpscare lui-même. Comment ça, la fenêtre est déjà ouverte? Table boogeyman. Thank you.
de cette putain de Game Boy. Fuck. Mais non, bordel! Ce bug est chiant. Je sais pas, quand t'appuies trop vite, il comprend pas que tu veux revenir, il te fait deux fois l'animation d'aller chercher une pile. Et c'est merdé! Ah, c'est vrai que si je fais pas attention au chien, c'est vrai que. Il m'a foutu une sacrée patate là. Non, réveille-toi. Effectivement, là, t'étais déjà ouvert. Ma fenêtre, salopard. Putain, non! Ça ne sert plus rien! Oh, no.
doutais bien qu'il y avait eu un bruit, j'étais plus sûr de ce que c'était. Enfin non, c'était pas trop ça, mais... C'est dur à faire. Triche pas, ouvre pas ma porte, je sais pas comment tu fais. Tricheur. Non, putain, la fenêtre est ouverte, ok. Vite, vite, vite! Je sais pas où il était, mais. Non, bâtard! D'endroits où j'entends plus venir là, c'est trop risqué d'aller remonter la lampe. Il va bien falloir, j'ai l'impression. Bâtard. Thank you.
Putain, vous voyez trembler ma souris, je pense carrément. Chauve-souris partout, non! This is the last night that he can freely walk amongst the world. But it's also the night that he's the most... Non! Bon. Bon, ben les gens... Ce n'est pas la dernière nuit du jeu. Il y en a encore une autre. Halloween. Mais du coup, on va se garder ça pour une prochaine partie, quand même. Et ça devient compliqué, quand même. Ça devient très compliqué, hein. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ainsi que partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde !